Merci, monsieur Claës. Pour le groupe UMP, la parole est à monsieur Xavier Breton. Merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, mes chers collègues. Tous les sujets n'ont pas la même gravité. Avec ce sujet de la fin de vie, nous entamons un débat où nous avons une responsabilité particulière. Ce sujet est en effet à la fois complexe et très sensible. Il renvoie chacun d'entre nous aux expériences qu'il a vécues, aux conceptions de la vie et de la personne qui l'anime. Et c'est avec beaucoup de prudence, j'allais dire de modestie, que nous devons entrer dans ce débat. Nous pouvons à ce sujet nous féliciter de l'organisation de ce débat cet après-midi de manière sereine, apaisée et dépassionnée. Trop souvent, en effet, les débats sur la fin de vie ne surviennent que lorsqu'un cas douloureux occupe l'actualité. Dans quel contexte s'inscrit ce débat? Il s'appuie tout d'abord sur la loi de 2005, dite loi Leonetti. Soulignons que cette loi a donné un cadre juridique, médical et éthique adapté pour la plupart des cas rencontrés et un cadre qui est envié par de nombreux pays. Cette loi avait été à l'époque adoptée à l'unanimité, unanimité dont il est bon de se rappeler qu'elle était fondée sur le devoir de prendre soin de la personne en fin de vie de telle sorte qu'elle ne souffre pas. Alors que cette loi avait seulement 7 ans, ce qui est peu pour un sujet comme celui-là, la campagne présidentielle a amené le candidat François Hollande à s'engager, sans doute imprudemment, pour une évolution de la législation. C'est dans ce contexte que différentes contributions ont été rédigées, notamment le rapport SICAR et les avis du Comité consultatif national d'éthique. Que retirer de ces réflexions? Avant tout, la volonté très forte de garantir le respect de la dignité humaine, respect qui implique le soulagement de la souffrance, le refus de l'obstination déraisonnable, l'interdiction de l'euthanasie et la prévention de tout suicide. À la suite de ces réflexions, une mission a ensuite été confiée à nos collègues Alain Claës et Jean Leonetti, qui a conduit à la rédaction d'un rapport et d'une proposition de loi. Je voudrais à ce stade insister sur 3 points cruciaux contenus dans ces textes. La culture palliative, tout d'abord, les directives anticipées ensuite et la sédation terminale, enfin. La nécessité de développer une culture palliative, tout d'abord. Nous ne pouvons en effet tolérer plus longtemps le scandale, je reprends les termes mêmes du CCNE, que constitue la situation d'abandon d'une immense majorité des personnes en fin de vie. Comme l'indique le rapport Claës-Leonetti, le nombre de personnes qui ont accès aux soins palliatifs rapportés au nombre de celles qui devraient en bénéficier est seulement de 20%. De plus, l'offre de soins palliatifs est caractérisée par de très fortes inégalités territoriales. Il est donc urgent et indispensable de promouvoir une politique publique ambitieuse en termes de soins palliatifs et de culture palliative. Cela passe notamment par un plan de développement des soins palliatifs ambitieux dans ses objectifs, mais surtout dans les moyens humains et financiers nécessaires pour sa mise en œuvre. Le développement d'une culture palliative passe aussi par la formation des personnels soignants, formation initiale et continue. Il passe également, comme le propose le rapport SICAR, par un exercice de la médecine qui appelle une conception unifiée et continue du soin, intégrant ensemble curatif et palliatif. Cela passe enfin aussi par une réflexion sur l'évolution de notre politique de soins qui doit intégrer les actes d'accompagnement dans la tarification médicale. Deuxième sujet que je voudrais aborder, les directives anticipées. J'aurai à ce sujet quelques interrogations. Comment ne pas enfermer une personne dans une volonté qui peut varier au cours du temps et en fonction des circonstances? Comme le souligne le rapport SICAR, des sursauts de volonté de vivre peuvent toujours se substituer à un renoncement anticipé. Il est en effet extrêmement difficile de rédiger ces directives alors qu'on est en bonne santé. Pouvons-nous vraiment nous mettre à la fin du malade que l'on sera quand on ne l'est pas encore? Que savons-nous de ce que nous penserons, de ce que nous ressentirons lorsque le temps de quitter ce monde sera réellement vécu? Ne risque-t-on pas, par ailleurs, si on rend ces directives trop contraignantes, de compliquer, d'altérer le dialogue indispensable entre, d'une part, le médecin et, d'autre part, le malade et sa famille? Plus largement, nous devons aussi nous interroger sur la toute-puissance qui serait accordée à la volonté individuelle. Nous le savons, l'éthique de l'autonomie, quand elle n'a pas de limite, peut étouffer l'éthique de la vulnérabilité, cette éthique de la vulnérabilité qui nous conduit à penser et à agir en fonction de nos fragilités et non d'une conception abstraite de l'individu. Je voudrais, pour terminer, évoquer le point crucial de la proposition de sédation contenue dans la proposition de loi de nos collègues. En effet, la sédation profonde et continue jusqu'à la mort va plus loin que le seul soulagement des souffrances du patient. Elle risque de nous amener à basculer du soulager jusqu'à la mort à donner la mort.
Les propos de notre collègue Alain Claisse dans un quotidien en novembre dernier sont à ce propos édifiants. Je cite « Nous proposons la possibilité d'une sédation profonde et terminale jusqu'au décès et dans un délai non déraisonnable » et il ajoutait, je cite « Pour la première fois, nous parlons d'une sédation forte dans le but d'aider à mourir ». On le voit bien, l'intention ne serait plus de soulager le patient au risque d'affaiblir son organisme et donc au risque d'accélérer son décès, mais l'intention serait à la fois de soulager le patient et aussi d'abréger sa vie et donc de donner la mort. Il est indispensable que le texte de la proposition de loi clarifie l'intention de l'acte de sédation en rétablissant clairement la notion de double effet reconnue par la loi de 2005 mais évacuée dans le texte que nous devrions examiner dans quelques semaines. On le voit, les débats que nous aurons permettront sans doute de clarifier les intentions contenues dans le texte qui nous est proposé. Je vous remercie.